Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour ce défi de Cédric Laporte. Donc nous sommes le 4 octobre et donc c'est la quatrième vidéo, quatrième jour surtout. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de savoir s'il y a un prix différent en fonction d'un étage à un autre. La réponse est oui. Effectivement, nous avons les rez-de-chaussée, mais vraiment le rez-de-chaussée, pas le rez-de-jardin, hein, le rez-de-chaussée qui est très souvent beaucoup plus bas, enfin beaucoup moins cher, pardon, qu'un appartement qui sera en milieu d'étage. Pourquoi? Parce que du coup, il y a des critères tels que la luminosité ou un petit peu l'insécurité qui fait que les rez-de-chaussée sont beaucoup moins appréciés. Ensuite, tout ce qui est milieu d'étage, on est sur quelque chose de normal, on va dire. Et ensuite, le dernier étage, bien sûr, prend une valeur beaucoup plus importante que le même appartement qu'il y a sur un milieu d'étage ou au dernier étage sera bien plus cher du fait qu'il y a des critères qui sont très avantageux, notamment on n'a personne au-dessus, donc pas de bruit, et puis on peut avoir une vue qui est beaucoup plus dégagée. Donc tout ça, ça a forcément du bonus pour l'appartement qui est situé au dernier étage. Voilà pour cette petite astuce, petit conseil, petite information, je vais dire, concernant cette quatrième vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.